Salut à tous, je vais tout de suite baisser la petite musique d'ambiance. Voilà, bienvenue, on est de retour pour DKC2, objectif 102%, j'espère que vous nous entendez bien. Tiens, je veux que tu fasses un petit test de la voix. C'est un plaisir de vous voir, c'est rudement plaisir. Attention, attention quand je bois. Donc on va tout de suite se lancer dans l'action. Alors, hop. Alors, je vais couper d'abord ça parce que sinon ça va faire doublon avec la superbe musique de Donkey Kong. Top, c'est parti. Et SNES, voilà. C'est bien fait. Mais oui, on est pro ici. Professionnel. Matériel et professionnel, je valide. Je vois que c'est Didi qui commence, je ne sais plus, c'est toi ou moi qui vais Didi? Je pense que je joue Didi. Ok, bah je t'en prie. Hein. Ah. Et comment j'ai obtenu la manette de façon... Est-ce qu'on a tous les DK dans le premier monde? Oui. Oui. Est-ce qu'on avait fait le deuxième? Oui. Oh. On a été beaucoup trop efficace. Ça veut dire qu'on va directement se ramasser. C'est pas de quoi objectif hein, d'avoir le point d'exclamation, là c'est déjà le cas, et le DK dans tous les niveaux. Cherchons le DK et éventuellement trouvons des vies parce que ça va être vachement important. Alors, de mon retour visuel, la musique a l'air bien au niveau d'équilibre par rapport à la voix, mais n'hésitez pas à le dire si jamais il y a des soucis. Bien, les DK ça peut se cacher n'importe où. J'ai l'impression que le son de jeu va un poil fort. Attention, ça va peut-être... Ah, ça a bien freeze en effet. Voilà. J'ai baissé un tout petit peu le son du jeu. Il ne balance pas de décal. Désolé Justine, ne prendrons pas le haut. Quel souvenir. Quelle mémoire.
le donneur de bananes. Je mets un peu le casque en biais, comme ça j'entends mieux quand tu parles, même si j'entends un peu moins mieux. Et du coup, une fois qu'on a fini celui-ci, toi t'auras envie de partir sur un Mario ? Un peu. Bon, on peut. Hein. Je suis moins doué, moins fan de Mario sur Super NES, mais pourquoi pas. Et sur Mario, on partirait sur une petite course. Tu vas la gagner, hein, mais... Ah, on peut, oui, c'est pas grave. Plutôt qu'un 100%... Déjà fait ça. On peut partir sur une course, ça peut être sympa. On peut faire ça. Je me suis déjà dit que... Salut TurboCoco83, bienvenue à toi, installe-toi confortablement. Bienvenue sur le stream de Blood Chesterfield. Profite de la musique magnifique du jeu. Et du superbe skill de Gina. Et comment... également. Parfois je perds mes mots. Un truc que je me disais qui pourrait être sympa à faire un de ces quatre, c'est que j'organise un espèce de petit tournoi comme ils avaient fait à l'époque du 3615. NESBlock, ils avaient fait une espèce de petit... Je sais plus comment ils avaient appelé ça. C'était des jeux aléatoires. Pas vraiment aléatoires, mais choisis à l'avance, les gens ne savaient pas. J'aurais pensé que vous me conseilleriez de prendre une banane. Bah oui, une banane, c'est plein de potassium, n'est-ce pas? Il paraît. Très riche en potassium. Donc du coup, tac, ici, on cherche donc le DK. Je ne l'ai pas trouvé sur le début du niveau, j'espère qu'il est vers la fin, sinon je l'ai loupé. Ok, et eh bien on va voir vers la fin du niveau. Tu as déjà fait ça ou pas? On l'a déjà fait, ouais. Ok, et c'est pas ça, non. C'est pas le... Le canon. Donc je disais, NESBlock à l'époque avait fait un petit tournoi, je sais plus comment il s'appelait. Je pense que Mafeteus s'en souviendrait. Et je me disais que ça pouvait être sympa que j'organise ça avec deux trois potos motivés. Je pense notamment à Mafeteus, mais aussi à Potato, à toi. Balou serait très très friand à mon avis de ce genre d'épreuve. Je sélectionnerai des jeux sans vous dire lesquels, avec des petites épreuves vidéoludiques, et faire un petit tournoi que je ferai en stream. Ça pourrait être très fun, je pense. Ça pourrait être très très fun. Je vais faire venir les deux campailleurs. Après ça va être chaud, hein, ce serait plutôt des trucs face à l'écran, à mon avis. Et vous avoir en guest. Ou alors c'est vrai que je pourrais faire une partie où vous êtes chacun chez soi. Mais alors là, par exemple, pour Balou, ça va être compliqué pour Agent Pyre, par exemple. Mais il faut que je réfléchisse... C'est portable maintenant. Mais il faut que je réfléchisse au concept, ça peut être très très fun. Du coup je parle, mais il faut que je fouille surtout le niveau. Ne t'en fais pas, je le fais pour toi. Ce serait fun à regarder si tu le stream. Ah mais merci beaucoup TurboCoco de valider l'idée. Cet homme a une super paire de cheveux mais il ne l'utilisera pas. Est-ce que c'est pas là-haut? Super paire de cheveux. Une paire de cheveux. Une paire de cheveux. Bon, il est peut-être à la fin, hein, tu sais, dans non, le. Il y est pas. Non, t'es sûr? Grosse déception. Ouais, t'as cru, hein? T'as cru que j'allais finir le niveau? J'ai cru que t'allais te prendre la. Tu as fini le niveau. Clip? Du Dan, tu Mais... C'est vrai que j'avais oublié que cette session de cherchage de jetons des cas était des générateurs de clips. La plupart des clips de ma chaîne, ils viennent de la précédente session à deux sur Donkey Kong Country. Merci TurboCoco pour ton soutien indéfectible. Je sais pas ce que j'ai fait, j'étais dans la lune, je me suis dit il faut que je retourne en arrière et j'ai... Bien fait, voilà. Qui part par là, tu n'as pas envie de me donner le jeton des 4 ouais. Alors où serait le jeton des 4 de ce niveau? Alors là... Voilà. Ah c'est peut-être un fantôme qui le balance, t'as raison. Ah! Il est peut-être là-dedans. Hein. Looking for. Il va tomber dans l'eau si je le pratique. Oh, je prends quand même. Bah, c'est bien quand même, hein, 3 vies. 3 vies, c'est quand même bien. Mais où est-il? Ba-da-ba-da.
Alors, malheureusement, contrairement à d'habitude, là je suis, comme ceux qui suivent le savent, je suis en nuit, donc on n'aura que jusqu'à 19h pour avancer dans cette recherche. J'espère qu'on va au moins terminer ce monde-là. Nous verrons, ouais, le monde on devrait le terminer. De quoi? Ah non, c'est pas ça que je veux faire. Tu veux mettre sur les épaules? Ah non, il est pas là. Mais t'as eu la banane. Je deviens parano, hein. Attention. Je pourrais pas rester jusqu'à 19h. Bah, y'a pas de soucis, tu restes aussi longtemps que tu le souhaites. C'est déjà super gentil de venir nous regarder. Ça fait plaisir. Puis ben. Si jamais tu es curieux de voir jusqu'où on a été, il y a la VOD toujours, hein, ou alors j'exporte toujours la vidéo sur ma chaîne YouTube, t'as le lien en bas, hein, sur le petit bouton. C'est des trucs. Hein. Bah ouais, je sais, je vois. Après, on peut passer et faire le suivant, hein. On en a des vies. Qu'est-ce que tu penses? Merci de dire ça, mais c'est moi. Où tu te rappelles de moi. Alors, je vais être franc, je sais que je suis censé savoir qui est Turbo Coco. Donc je pense que Turbo Coco... Attends. Turbo Coco... Donc c'est peut-être un Corentin. Tu as beaucoup de prénoms, hein. Tu vois qui c'est ou pas toi, Turbo Coco? Non, ok. Alors, est-ce que ce serait... Tu peux lui poser cette question quand c'est pas lui qui a la manette? Je sais que je suis censé savoir qui c'est. C'est pas Corentin. Turbo Coco. C'est pas du tout, manifestement. Ouais, je vais chercher ici, il manque aussi le jeton des cas. Pour ça, on va changer de niveau. C'est totalement aléatoire, l'endroit où tu cherches. Ouais, bah comme ça, on n'a pas tout le temps le même niveau. Ah bah, à tous les coups, il est derrière, non? Oh, ça me rappelle quelque chose. C'est là où tu as essayé de m'apprendre à sauter en descendant. Je sens que ça va pas bien se passer si je te balance de l'autre côté. Hein. Au pire, on rigolera bien. Non, il faut que... Du coup, tu me balances à terre et je pleure. C'est normal, la dernière fois, c'était il y a plus d'un mois. Du coup, ça n'aide pas, effectivement. Est-ce que je... Ouais, après, c'est confinement. Hein. Il y a beaucoup de gens où ça fait plus d'un mois. Voilà. Je fais quoi? Je vais faire ça, ok. C'est utile. Je vais tenter le coup. Oh! Tu y arrives, c'est pas drôle. Ouais, je suis un peu fier de moi. Ah. Turbo Coco. Mais donc, on se connaît dans la vie réelle, on s'est déjà vu dans la vie réelle. Est-ce que ce serait au 3D? Le coran qui va partir à droite. Ouais, bah ouais. Je sais pas quoi faire pour aller là en fait. Pour aller le plus à gauche. Me lancer par-dessus, espérer que je retombe sur le jeton, ou alors foncer comme un débile et perdre une vie. Écoute, juste pour vérifier s'il n'y a pas le DK, je vais foncer comme un débile et je te laisse aller voir plus loin s'il n'y a pas une vie. Mais non, je parle sur le stream, pas dans la vraie vie. Oui, d'accord, mais tu étais sur le stream il y a un mois, ça j'ai bien compris. Voilà. Du coup, je t'en décale. Yes! Voilà. Gentil de dire GG alors que j'ai perdu une vie, mais je voyais pas comment faire autrement. Bon chat. Ah, on l'a déjà, on n'est pas obligé de faire le niveau. C'est cool ça. Ça va être efficace. Rappelle-moi, c'est Start Select AB. Start Select. Ah, juste Start Select, ok. Oui, beaucoup de gens ont dû arrêter la partie à cause de ça. Chers viewers, si vous êtes épileptique, je vous invite à revenir dans 5 minutes lorsque nous aurons terminé ce niveau. 5 minutes, terminer le niveau. Mais ce niveau-ci est vraiment déconseillé aux épileptiques. Du coup, Coco, c'était pour me donner un. Comment on dit? Un angle de. Oh, les épileptiques. Prends des chats et feu du skill. Il met des chats au bûcher.
Ah, je suis embêté de pas me souvenir. Alors, Turbo Coco, mais c'est pas Corentin. En même temps, Coco, à part Corentin, j'ai pas dit, donc ça tombe, ça n'a rien à voir avec Coco, son prénom. Est-ce que dans la vraie vie, on se croisait au 3D ? Le 3D est facteur de rencontre. J'ai Jérémy en tête, Jérémy de Mété, parce que je sais qu'il vient de temps en temps sur les streams et je me rappelle plus de son pseudo. Donc c'est peut-être ça. Mais je vois pas le rapport entre Jérémy et Turbo Coco, mais c'est peut-être bien ça. Non, je suivais juste le trois quarts de tes streams jusqu'il y a un mois. Je crois que tu ne le connais pas dans la vie. Ah, d'accord. Donc c'est pas Jérémy alors. Ok, mais du coup, Ok, du coup, Turbo Coco, je m'excuse, j'ai oublié. Donc effectivement, ton pseudo m'est pas inconnu parce que tu venais régulièrement il y a un mois. Ben, content de te revoir, du coup. Content de te revoir, j'espère que tu prendras du plaisir. Et qu'est-ce que je faisais il y a un mois? J'étais déjà sur Dark Souls 2. Peut-être sur le 1 à l'époque. Oh non, ça fait plus d'un mois que je suis sur le 2. Je crois que ça fait plus d'un mois que je suis sur le 2, mais je fais pas que ça, hein. Il y a du... Ah non, mais quel débit. Voilà, tout va bien. Je fais pas que ça, je fais du Total War aussi. Enfin, je t'ai déjà croisé une fois dans la rue, mais ça commence à dater. Et du coup, voilà, je lis, et puis voilà, je fais des bêtises. Il y a les femmes qui croisent dans la rue maintenant. Ouais, ça fait très star, je trouve. Là, je t'ai déjà vu une fois dans la rue. L'avantage, c'est qu'on a déjà fugé tout ça. Pour les annonces, pour la suite de la chaîne, si jamais, pas comme ça tu sais à quoi t'attendre. On a été racheté par Google. On va... par Disney, c'est plus... donc pour la suite de la chaîne, donc nous on va continuer avec Jidan de temps en temps, des petites sessions à deux sur la Super Nintendo. Sinon, je suis dans les jeux From Software. J'ai prévu de faire l'intégralité de ce qu'ils ont fait, donc j'ai déjà fait Dark Souls 1. Je suis en train de faire le 2, le 3 est prévu après, suite au 3 je ferai sûrement Sekiro. Et d'ici là, peut-être, je ferai Demon's Souls, je verrai. Donc ça, j'avance là-dedans aussi. Toujours des jeux Vampire de temps en temps, ça fait longtemps, il faudrait que je m'y remette. Du Total War aussi, j'aime beaucoup. Il y a ton sponsoring par Warhammer aussi. Blood Bowl, ça fait longtemps que j'ai plus... En fait, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs, du coup, c'est rempli. C'est selon mes envies. C'est vrai que c'est pas que dans la description, tu as mis éclectique. Oui, mais c'est ça. Je pense que le mot est bien trouvé. C'est ça, oui. C'est ça. Je saurais pas. Je m'ennuierais trop hein, si je faisais qu'un seul type de jeu. Je m'ennuierais vraiment trop. J'ai connu un glitch qui arrivait à plus de niveau 120 à Game of War. C'est toi. Toi, je t'avais prêté mon comp Steam. Et j'ai des potes, pour la petite anecdote, j'ai des potes qui m'ont dit « Mais tu joues à ça, toi ?» Et en fait, j'ai dû leur expliquer que j'étais au boulot et que j'avais prêté mon compte Steam à Stila et que c'est lui qui... Il m'a fait quasiment tous les achievements sur Game of War. C'est bien, Game of War. Oui, j'en suis sûr. Mais c'était même pas Game of War, c'était pire que ça, c'était BJ World, non ? je crois que t'as passé plusieurs dizaines d'heures sur BJ World. C'est Game of War mais sans le côté RPG. Ah. En fait, fallait voir sa tête quand je faisais la version Evoland 2 de ces petits jeux là. On voyait bien que c'était pas mon élément et lui il rageait de me voir louper tous les bonus. Bon, ça, il faudrait quand même un de ces quatre qu'on retourne au niveau qu'on avait commencé pour trouver ce fameux DK là-bas. C'était il y a 10 minutes. Non, faut pas qu'on l'oublie parce que on va partir comme on est là, on va faire le jeu, tu vois, on va avancer, puis il nous en manque un, mais enfin.
C'est toi qui, au bout de deux fois, give up, hein. Non, bon, la diversité, mais il faut pas qu'on l'oublie, quoi. Ah, oh. On l'a déjà eu, ça. En plus, c'est un token, c'est pas... Ah, mais parfois, dans les trucs de token, il y a des décas. Ils sont capables. On va essayer d'aller à gauche. Ah, ça, je vais m'éloigner. Ouais, en bas. Non, en bas ici. Là. Ouais, non, mais il y a un chemin, quoi. Et aller à gauche. Parfois, ils sont en... C'est le début, je pense. Parfois, en train de banane, il y a des trucs cachés. À la belle. Ils font quelle taille les poumons de ce singe? C'est des branchies à partir d'un moment. Ils sont en pleine santé parce qu'ils mangent beaucoup de bananes. La sélection naturelle a fait son travail. Mais sur certains stages, par contre, il y a de l'oxygène. Hein. Et en vrai, je me demande si... je peux me tromper, hein, mais tu me dis si t'as d'autres infos. Je me demande si les singes n'ont pas la particularité justement de ne pas savoir nager. Je sais de source à peu près sûre que les tigres sont les seuls à savoir nager à la naissance. Salut, c'est Tsushiro. Et comment tu sais que des tigres savent nager à la naissance? C'est un rêve de glace. Ah bon? Des sources absolument pas fiables. Salut Jitatushiro, ça fait plaisir de te voir sur le stream. Installe-toi confortablement. Prends une boisson de ton choix. Voilà. Et admire le skill de Jiden. Je te soupçonne de cacher quelque chose. Bah il va là-bas et il grossit, non? Ouais. Attention, il va exploser. Il va le faire. Mais je sens qu'il cache un truc. Vas-y, explose. Descends, remonte, il va exploser et puis tu pourras revenir, je crois. Attention, il va exploser maintenant. Vous êtes suspect, très cher. Vous êtes très suspect. Ouais, c'est bizarre. Peut-être qu'il fallait monter là avant que lui ne bloque le passage. Ouais, c'est vrai que tu y étais. Manger 5 bananes et 5 pêches par jour. Ah oui, et c'est plus efficace qu'une dragée fucasse, ça. Ah non, it's a trap. Oui, it's a trap. Ah, il monte, et si tu montes là, bah, tu te fais péter. Ah, d'accord. Rien à offrir, malheureusement. Bon, bah, du coup, on n'a pas le DK. Ah, peut-être qu'il est à la fin du niveau là. J'ai eu la banane. Je te fie. J'aime bien le petit truc que ton frère m'a fait. Pour la SNES avec le petit écran, le chat au-dessus et tout, le petit... Oh, c'est sympa. Mmh. C'est chouette. Là, avec Blood et Chesterfield, là, de part et d'autre. J'ai toujours pas eu de procès de Spirou, d'ailleurs. Toujours pas, le mec, il attend. Bah, pas si bien que ça, les procès, franchement, c'est surprenant. Du coup, j'ai essayé de les joindre plusieurs fois. C'est pour ça que tu vas te prendre un procès. Non, mais ils en ont rien à foutre, donc tant pis. Hein. C'est que c'est pas très grave. Et puis j'ai eu contact il y a pas longtemps avec ma graphiste qui... c'est de source sûre qu'elle a terminé ses examens. Ne lis pas ce qui est écrit sur le chat, ça va te faire du mal. On dirait un Mario au moins bien d'après ce que j'ai vu. Mais enfin... Au moins bien... Je respecte pas les consignes. Au moins bien. Comment ça, au moins bien? Non, c'est parce que en fait, sur le décor que tu vois ici, à gauche de la caméra et en bas et en haut à droite, il y a des petits personnages Blutch et Chesterfield, d'où viennent mon pseudo d'ailleurs. Mais ces personnages appartiennent à Spirou, à Dupuis, et du coup, bah, j'ai pas le droit en fait de les utiliser comme ça pour mon stream. À la base, c'est le frangin de Jidan qui m'a fait les overlays là, gentiment. Et comme mon pseudo c'est Blutch, il a voulu me faire plaisir en mettant ça, quoi. Mais quand je me suis rendu compte que j'aimais vraiment bien streamer, que je continuais et que je suis passé affilié, je me suis dit « Oups, faut peut-être que je mette des trucs qui m'appartiennent full, quoi. » Donc j'ai demandé à une pote de me faire des petits personnages, etc. Bon, elle a déjà commencé. Et entre temps, j'ai essayé de joindre Dupuis pour leur demander si ça les dérangeait pas que j'ai ces personnages-là, et en leur expliquant que c'était pas, voilà, juste pour le décor, et juste Blood Chesterfield en miniature, quoi.
Mais je suis toujours tombé sur la secrétaire qui, hop là, qui m'a mis en attente pour le service com, qui m'a jamais rappelé. Comment ça vous mettez en attente? Et ils leur ont envoyé un mail pour leur expliquer et je devais être recontacté, mais ça fait un moment. Bref, je serai sans doute pas recontacté, c'est pas très très grave. D'ici là, bah, les petits Blood chez Chesterfield auront été remplacés par, par mon petit personnage, grâce à Maisie. Pam 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 pam. Ah bon, on l'avait déjà su. On les a tous, hein, on cherche juste les DK. D'accord, merci pour cette information. Eh bien, avec plaisir. Il va aller m'attaquer en justice. Oui, bah oui, je merci pour cette précieuse information. Deux semaines plus tard, je... Il a de la crampe et tout. Vous êtes quelque plus au courant. Vous êtes... Je me dis que t'es en train de jouer. Ah, t'as pas de preuves. On peut clipper ça aussi, tu vois. Tu feras le serpent complet. Je ferai le serpent complet. Voilà. Je te laisse le serpent complet. Et quand je vois ce que t'en fais. Eh, hey, j'ai fait un bonus. Bam, bam. Mais mon cher, je pédé. Quoi? On a déjà tous les bonus? Oui. Ah, j'avais pas vu qu'on avait le point d'exclamation. Il me semblait bien que. C'est pas très... Bon, par contre, par rapport au Mario moins bien, je t'accorde que le décor de ce niveau est particulièrement dégueulasse. Qu'il y a des niveaux bien plus jolis que ça, celui-ci. La mer verte là, c'est un peu bof. Hein. Salut Colonna! Bienvenue à toi. Toujours en train de DL Vermintide? Bon, le Chesterfield, vous êtes jugé coupable. Ah, ouais. Toum toum. Oh, il me faudrait le son toum toum. Et j'y vais, moi. Et c'est le même que j'ai fait. Oui, oui, complètement. Je me moque, je suis pas meilleur. Et sur le mon petit bazar, là, il faudrait le son de New York Police Judiciaire. Tu vois pas? Toum toum. Ah, ça te dit rien? Non, du tout. C'est à New York, les crimes sexuels sont jugés d'ordre parfaitement ignoble. Ah, et il y a une section spéciale. Je regarde pas. Voici leur histoire. Toum toum. Oui, jamais... si, ça y est. Si, ok. Avec le petit voici leur histoire. Et c'est New York. Mais y a pas que ça. 4-5 fois par épisode, t'entends tout tout. Et ça s'appelle, je crois, New York Police Judiciaire. Il faudrait ce petit son, ce serait chouette. Je vais le chercher. Bon, DJ Aneb, j'ai donc fini de DL le jeu. Oui, j'utilise le chat comme appli de messagerie avec DJ Aneb. Oui. Mais je sais bien que tu utilises le chat comme, comme messagerie. J'ai bien sur le répondeur de DJ Aneb. Il est disponible pour l'instant. Mais je suis sûr, un jour, Colonna, il va arriver sur le chat. Un jour, Colonna, il va arriver sur le chat, il va mettre acheter une brique de lait, de pain, de la farine. On l'a déjà fait. Non mais ça doit être pas en bas dans les calmes. Pas ici, bas. Le solilange. C'est pas la première. J'ai le droit à ma deuxième. Je savais que tu le dirais. Après un procès de Spirou, il va se prendre un procès des prods de New York section criminelle. Ah, c'est section criminelle. Oh, si seulement tu étais... Attends. Bon, au moins il y a une vie. Tu vas avoir un deuxième procès pour New York Police Judiciaire. Mais finalement, ça s'appelle New York Police Judiciaire ou New York Section Criminelle? Mettons-nous d'accord. Un procès de deux. Ah non, t'as raison, il me manque des bonus. Ah, on est d'accord. Oh là là, et tu ne me dis rien. Bah si, c'est toi qui m'as dû en erreur. Bon. Il y a une banane là en haut à gauche. Ouais. Je vais revenir. Bon, attends, excuse-moi. Hop. Je sais pas comment ça s'appelle. Bah, je sais plus non plus. C'est New York quelque chose. Hein. Ah oui, c'est. Oui, le chemin des bananes, il y en a une autre un petit peu après. Sans doute encore une. Non! Je vais faire un demi-tour.
New York, c'est... je sais pas. Voilà. Il y a un truc, hein. Ouais, mais tu as montré que t'en étais capable, je comprends que t'aies pas continué. Mais... Non. Ça va aller, ça va aller. C'est la quatrième fois qu'il fait le taf sur moi. C'est dur, hein, Star Telec. Ils ont du mal, franchement. Pam, padim, pam, poum. Je suis à peu près sûr qu'il y a moyen de s'agripper à la troisième banane, là. De quoi? Pourquoi tu parles de s'agripper à la troisième banane? Ouais. Allez! Peut-être que j'aurais plus facile avec elle. Allez! J'espère que c'est aussi comique pour les viewers. Il y en a 150 des séries qui s'appellent New York Truc Muche. Comme les Pokémon. Il faut toutes les nommer. Sinon, tu tapes sur Google à Tum Tum. New York Tum Tum. Elle est bien celle-là. Ah, GG. Ah, je m'attendais au DK. GG. Je suis un peu déçu, je m'attendais au DK. Peut-être que le DK est dedans. Find the token. Ok, c'est pas. Fine. Ouais, ouais, parce que je me dis qu'il y a peut-être un décal là-dedans. Je pense que Didi, il en est pas capable. Et je me demande si ce foutu décal n'était pas tout en bas à gauche. En bas à gauche? En bas à gauche. De toute façon, il va falloir le refaire. Ouais, bah c'est pas grave, on le refait. New York fait. New York est jaloux de Blood Chesterfield, etc. Allez, tu l'as réussi une fois. Voilà, maintenant c'est plus un problème. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est la confiance en soi. New York, petite maman. New York, témoin de Jéhovah. Parce que ça vaut le coup. Qui est le premier à avoir eu le Tum Tum Netflix ou New York Truc Bidule? New York, hein. Et Netflix, le Tum Tum, je crois que ça vient de leur série avec... le président des États-Unis, là. Allez. Le méchant de Las Vegas 21. Google it, New York Tum Tum. Allez, tu sais, c'est qui là, l'acteur qui. Un bon acteur. Ah ouais, c'est vrai, pourquoi je te demande. Bon, peut-être le chat, c'est. Le mec qui joue la série Netflix où c'est des intrigues, c'est. House of Cards. House of Cards. Kevin Spacey, c'est ça. Ouais. Ouais. Eh bien, le Tum Tum de Netflix, il vient de du personnage de Kevin Spacey dans House of Cards, qui, avec sa bague, fait sur la table Tum Tum. N'hésite pas à checker dans les étages inférieurs du bateau. Enfin, là, on a vu l'eau qui remontait, donc c'est la mort. Ouais, je fouille. Ah, j'ai un... Quand t'auras la manette, j'irai seul un truc à boire. Non, j'aurai pas la manette tout de suite, t'as un serpent complet et j'ai même pas eu le temps de te dire que tu perds déjà la manette. Mais c'est parce que tu m'as déconcentré, ça faisait partie de ton odieux plan. Voilà, on a vérifié que là-bas, du coup, à l'étage en dessous, il y avait rien. D'accord. Belle vérification, un très beau contrôle. Celui qui s'est fait accuser de viol d'adolescent. Oui, c'est ça, oui. D'ailleurs, la série a continué sans lui et sa femme qui a pris, je crois, la femme de son personnage qui est devenue le personnage principal. Là, tu ne cacherais pas des trucs. D'ailleurs, finalement, j'ai appris qu'il avait été accusé d'attouchement sur mineur. Et du coup, sa carrière a été complètement bousillée. Mais après, j'ai plus de nouvelles et j'ai pas cherché à me renseigner non plus. Donc finalement. Les petites sont plus mineures. Non, mais je sais pas si finalement ça a été prouvé ou pas, ou si c'était une erreur. Parce que ce qui est terrible dans ce genre d'accusation, quand t'es un personnage comme ça, un grand acteur, c'est que ce soit vrai ou non, à partir du moment où les accusations ont été portées, ta carrière est finie, quoi. Ouais, je connais. À épiloguer.
Ah bah écoute, à plus Turbo Coco, passe une excellente soirée, merci d'être passé. Bande de macaques. Et gloire à Donkey Kong Country, c'est pas un sous-Mario du tout. Sous-Mario, enfin. J'ai vu un truc sur YouTube il y a quelques temps qui m'a fait baver d'envie. Je t'enverrai la vidéo. Vous pouvez taper si ça vous intéresse le chat. Bonne nouvelle, Bramble Blast, c'est le nom d'un des niveaux ici du jeu. HD. Et en fait, je crois que c'est pas jouable, hein. Je crois que c'est juste un graphiste qui s'est amusé à tout polir. Mais c'est en fait c'est le niveau Bramble Blast, mais vraiment en HD. Et du coup, j'ai vu ce truc là, attention au. J'ai vu ce truc là sur YouTube et j'ai cru en fait qu'il y avait une version vraiment remasterisée HD du jeu qui aurait été terrible. Mais en fait non, c'est juste un niveau comme ça fait par un graphiste. Et c'est vrai que ces jeux là, donc que ce soit celui-ci ou le 2 ou le 3, en version remasterisée, rien que ça, hein, ils sortent ça, j'achète une Switch. Là je le dis. Comme ça, je pourrais enfin me faire à 100%. Désolé. Oui, j'ai avec le serpent, hein, ça. Pas avoir d'excellent. C'est le serpent, ça change tout. Du coup, niveau maintenant, il dit s'il te plaît et merci, il est poli. Qui est poli? Il est poli, le niveau. Il est poli. Ah. Poli, parce que j'avais dit qu'il avait été remasterisé en HD, il était poli. Il joue ton rôle en fait. Comme t'es pas sur le chat. Bah ça me change de Dark Souls, hein, parce que Dark Souls, les niveaux, ils sont pas super polis. Enfin, ils disent pas vraiment s'il te plaît, merci. Bon, je récupère Dixie si tu veux bien. Voilà. J'ai eu des cheveux, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça t'amuse, hein. Je m'adapte au public. Voilà. Je dis que je veux une. Je dis que je veux une remaster. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te. Hein? Ils sont trop bien. De quoi? Ne fais pas que les écouter, joue aussi, mais. Mais je sais pas, de quoi tu parles? Le bruitage du. Du crocodile qui descend. Ah! J'avais pas fait gaffe, je savais pas de quoi tu me parlais. Bonne chance. J'ai entendu va mourir. Il est monté, j'ai entendu le grand. Je veux pas savoir où est-ce qu'on va. Et quand t'as dit écoute-là en montrant l'écran du chat, je pensais que c'était le chat qui avait dit quelque chose. Quoi. Donne ce tonneau. Oh! Ça sent le jeton de déca. Ah, il fallait pas descendre? Ah. Je vais passer à travers. Voilà. À un moment, j'ai pas réfléchi, j'ai fait que courir depuis le début. Hein. À mon avis, à l'endroit où t'as eu l'invincibilité, il faut descendre et aller chercher le DK en bas à gauche. À mon avis, c'était ça. Bon, on le recommencera. Oui. Tu m'abandonneras au même endroit. Donc je disais, j'attends un remaster de ces jeux, mais en vrai,
D'accord, ça a vieilli. Pour ceux qui jouent pas au vieux jeu ou qui sont plus jeunes, aïe. Je conçois que ça. La chute est importante. Ah, mais c'est vrai que. je conçois que ça a vieilli. Mais moi, honnêtement, je le trouve encore très très beau aujourd'hui. J'ai beaucoup Merci. De plaisir à y jouer. Attends, parce que je viens de comprendre ce qui m'emmerde depuis tantôt. Superpose ? Non, c'est pas pareil. Faut pas tuer ce poisson. C'est vrai que ce serait pas mal. Voilà. Attends, regarde, prochaine fois je joue comme ça. Parce que quand tu joues comme ceci, en fait, le câble du casque est. Voilà. Oui, c'est ça qui te déconcentre depuis tantôt. Oui, bah oui, voilà, c'est pour ça. C'est vieux et moche, mais le gameplay a l'air pas mal. Mais bon, je suis jeune. Il a quoi? Il a 4 ans moins que nous, colonel. Ah ben voilà, Brumble Blast. Eh ben, je vais le faire. C'est le fameux niveau qui est en HD sur YouTube. Et dont la musique est merveilleusement belle. C'est dommage qu'on va pas l'entendre longtemps. Le but c'est de trouver les bonus donc. Et alors, Colonna, je sais pas, je pense pas que tu n'aies de Switch ou de Wii U, mais si tu veux du gameplay plus ou moins similaire, avec les mêmes personnages et le même univers assez joli et coloré, il y a les versions remaster, comment ils appellent ça ? Returns. Donc c'est pas un remaster, c'est des nouveaux jeux. Et donc c'est Donkey Kong Country Returns sur Wii U, enfin sur Wii et Wii U. Et Donkey Kong Country Returns Tropical Freeze sur Wii U et Switch. C'est d'ailleurs dommage que sur la Switch il n'y ait pas le Returns de base parce qu'il était très très bien. Donc si tu veux jouer au Returns de base, t'es obligé d'avoir une Wii U ou une Wii. C'est des chouettes jeux. C'est vraiment des chouettes jeux. Et c'est difficile, franchement, pour les finir à 100%, moi je trouve ça plus dur. Enfin, après, j'ai jamais fini un Mario à 100%. Donc je peux pas dire que c'est plus dur que de finir un Mario à 100%, parce que j'ai pas souvenir d'avoir fini un Mario à 100%. Peut-être le Mario World sur SNES, il me semble qu'une fois j'ai fini à 100%, mais je suis même pas sûr. Deux ou trois fins qui sont un peu tirées par les cheveux. Et pas, mais c'est gentil. Ben de rien, j'informe le chat. J'ai perdu 2 viewers, je suis sûr que c'est parce qu'ils sont allés sur YouTube regarder la vidéo en HD. Hein, dis-moi que c'est ça. Heureusement que la musique est bien. C'est pour ça qu'ils ont mis la meilleure musique sur ce niveau-ci. Ouais. Bah après, moi j'adore, il y a plein de musiques que j'adore dans le jeu. Mais même dans le stage bonus, les gens. Je crois qu'une de mes musiques préférées, il y a Aquatic Ambiance du 1, Life in the Mine aussi du 1, et je sais plus comment elle s'appelle, mais celle qu'on entend ici dans les mines, dans les niveaux en mode ascenseur. Enfin, pas ascenseur, mais en mode vertical, où faut aller du bas vers le haut et pas de gauche vers la droite. Ou le Forest Interlude dans le bois. Ah, on l'avait déjà celui-là, on l'avait déjà là. Grosse déception là. Oh, oui. Merci. Je n'ai pas écouté le conseil. Merci beaucoup. Je suis plus à l'aise. Ah, tu vois, on a récupéré les deux viewers. Ils sont allés sur YouTube voir la version HD en Paris. Moi, quand je vais sur YouTube, j'arrive à continuer à Twitch. Bon, si jamais. si jamais ma prédiction est exacte, s'il vous plaît, dites-le, ça me ferait plaisir. Les deux, les deux si qui. Si c'est pas exact, dites-le lui quand même. J'ai vu un meme sur Nintendo qui m'a fait rire, c'était.
le petit Juan Carlo, je sais pas quoi, en Argentine ou au Venezuela, un pays d'Amérique du Sud, a toujours rêvé d'avoir une Game Boy, mais ils sont trop pauvres, du coup, ils n'ont pas de Game Boy. Alors, son tonton et lui ont fabriqué, enfin, son tonton l'a aidé à fabriquer une fausse Game Boy en papier avec un Mario qui défile avec du papier, etc. Genre. Donc c'est mis comme un article sérieux, tu vois. Et puis du coup, quand le président de Nintendo a vu ça, ils n'ont pas hésité une seconde et ils ont fait un procès. ouais. C'est très Nintendo-esque. Ça m'a fait rire. Est-ce qu'il faut pas que j'aille là-bas en bas? Ah, je peux pas. Je pense pas comment tu pourrais. Ah bah ça. Ah peut-être... si c'est le passage avec les deux, les 20 bananes et le. Ouais mais. Il l'a déjà fait. Okay. Ici, y'a rien. Next. Ah, j'ai hâte de te montrer le dessin animé avec Bunny Roadrunner Movie. Je crois que j'ai été un peu vite là, non? Non, ça va, on a déjà fait cette. Ouais. Je sais pas si dans le chat y en a qui connaissent, qui ont déjà regardé quand ils étaient plus jeunes, ou pas, parce que je peux regarder plus tard aussi. Le long métrage Bugs Bunny Roadrunner Movie. Je sais plus c'est quoi son nom. Il a d'autres noms, hein, genre le film La Poursuite. Le thème c'est les poursuites. C'est un long métrage, c'est un assemblage de cartoons animés par Chuck Jones. Un des pontes de l'animation des Looney Tunes des années 50, 40-50. Et oui, j'ai du mal à me concentrer. Ah oui, oui, là, on tourne en rond. Je te jute. Attends, je crois que c'est par là. Bref, c'est un. Ah zut. Bref, c'est un dessin animé que j'apprécie beaucoup et que j'avais en cassette en VHS quand j'étais petit et je l'ai enfin retrouvé. Je l'ai enfin retrouvé dans la VF d'origine. Je suis assez content, je vais pouvoir le montrer à Jiden et à Balou. Peut-être que moi, mais je trouve la musique forte. Ah, la musique est forte. Eh ben écoute, je vais la baisser. Je vais la baisser. Merci beaucoup, Colonna. Bon, je l'ai baissé très légèrement. Très très légèrement. Après, je peux faire ça. Sound, setting, volume. On va passer le volume à 80%. Voilà. Dis-moi quoi, Colonna, normalement c'est un peu mieux. On a fait la moitié du stage, on ne peut rien trouver. On va trouver. Mieux, ok, tant mieux. Oui, j'ai failli mourir. Ouais, ouais, ouais. Je me serais failli aussi, tu sais. Quoi. Ah, moi j'étais là tranquille en mode le gameplay se résume à appuyer au bon moment sur ce bouton. Ah, c'est vrai, j'ai une deuxième main. Le bas, tu crois? Quoi? Je sais pas, c'est ta vie, c'est pas la mienne. C'est même pas ce bas là. Tu peux aller en bas. Oui, je vais aller vérifier en bas. Hein. C'est pas là. Merci Colonna pour ton retour sur le volume, hein. C'est important. C'est important que vous me disiez quand c'est pas confortable ou quand on n'entend pas. Ainsi je peux modifier pour votre confort. Ah, qui est rapide. Je l'ai bugué, je crois. Il a mal le pauvre, mais il peut pas mourir. Il court. Pam 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 pam. J'ai passé un peu vite l'autre jour. Et du coup ce long métrage Bugs Bunny, c'est celui qui contient des cartoons tels que celui où Bugs Bunny se dispute avec Daffy Duck sur chasse au lapin, chasse au canard. Celui avec
Et là, il est là-bas au-dessus le décalé, on l'a vu. Hein. Celui avec le premier épisode avec Doug Dodgers, Doug Dodgers au 24e siècle et demi, qui est devenu dans les années 2010, je dis 2010 parce que je sais pas la date exacte de sortie, une série à part entière, très sympa d'ailleurs, avec le générique chanté par Tom Jones. Très très chouette série, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est tout le tour, chef. Bah, on la voit, on le voit, mais c'est peut-être plus loin. Hein. À mon avis, on doit pas y arriver d'ici. On va faire le tour, on y arrivera plus tard. Pam 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 pam. Non, à mon avis, on doit continuer. Hop, ah, il y avait un truc là, ouais. Ah, dommage. Franchement, demi-tour. C'était beau. Demi-tour. Faut vraiment que je l'ai aussi celui-là. La vie, il l'a fait. Ils sont en progrès. Tu es forcé de l'admettre. Ils sont en grand progrès. Ouais, mais là au début, hein. Et du coup, vu qu'on a baissé... Bah, c'est pour ça aussi que j'ai baissé dans Home Station le son à 80%. Mais c'est parce que, comme ça ne baisse que le son là, et ça ne baisse pas le son global du PC. Parce que si je... Oh merde. Je me demandais comment t'allais échapper celui-là. Parce que si je baisse globalement ici en bas à gauche, je baisse le son du jeu, mais je baisserai aussi tout le reste, quoi, des éventuelles alertes, etc. J'ai droit à une formation Twitch. Je suis pas un devin, je suis un malin. C'est tout. C'est tout. Là. Merci, Colonna. Je suis un malin. Là. Alors, on l'embarque. Donc, rappelle-toi que t'es ici en bas. Hein. Tac, ouais. Fantastique. Oh mon dieu. Il y avait un perroquet dans ce niveau. Je peux le diriger, il y a rien à gauche. À gauche, tu veux dire à droite? Oui, l'autre à gauche. C'est un perroquet qui est tourné dans le mauvais sens. Ah. La gauche du perroquet. Ah, ben voilà le déca. Superbe. Merci. On avance vers les 102%. Et si on se démerde bien, les gens ils vont pas se rendre compte que moi je ne fais qu'animer et toi tu débloques les trucs. Je m'en rends. Oui, c'est pas grave. Le but c'est que. Ça fait pas que ça te sert un guest, non. Oh, chouette. Ouais, et en plus, on aura. Oui, ouais, ça. Et ça serait cool. Le token. J'ai tout vu. Il est toujours là. Il est toujours là au bon moment, lui. Juste fine. Salut à toi, en fait. Y a pas de guêpe. Installe-toi confortablement. Balapam. Et donc, ne cherche pas le DK, on l'a déjà, donc il suffit de... Oui, mais je cherchais les guêpes On a peut-être fini le stage, là. Peut-être. Ah bah écoute, on va voir ça tout de suite. Pas de vie. Balapapar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 apa
Puis ça, Chushiro, je te dirais bien que quand Mathieu, quand Butch parle, c'est que c'est pas lui qui joue, mais c'est même pas vrai. C'est pour ça que les mains sont hors cadre, c'est pour pas qu'on voit qui est bon ou pas. Tu sais qu'il y a des... Il y a des mecs qui font genre des concours de speed game, c'est pas notre cas, hein. Vous auriez vite compris qu'on n'est pas des speedrunners, ni des tool assisted speedrunners. Et ils ont une caméra sur leur main, aussi sur leur manette, comme ça on a un peu une preuve, je crois, de que c'est legit. Tu t'es dit qu'on allait se faire violence tout de suite? Bah je me suis dit que voilà, pourquoi pas... J'ai pas peur. Ah c'est pas... Non, c'est pas... Oui. Black Ice Battle, c'est ça. Ça change. Hein. Ah oui? Oh, elle est chouette aussi cette musique. Je te zut. Profitons de la musique. Autant que tu m'aies bien aidé sur ce stade. J'hésite à te rendre ton perso tout de suite, tu sais. Pour que tu puisses jouer un peu. Bam 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 bam. C'est un qui vole des vies, ça. Et non, il vole des bananes. J'avais envie d'aller là où il se cachait, mais... Bah c'est chaud, hein, d'aller là-bas. Mais il aurait fallu être deux. Ah si, j'avais des cheveux. Bah pour savoir qui joue, en fait, la plupart du temps, le personnage qui a des cheveux, c'est moi. J'irai la clipper quand même. Merde. Tiens. Mais j'irai jusqu'à ton décès. Voilà. J'irai pas jusque là, par contre. Allez. Et alors, c'est des stages bonus, donc ils sont plus durs, mais il faut aussi évidemment que nous trouvions le DK et les bonus, hein, pour faire le 102%, c'est nécessaire. Alors pourquoi est-ce qu'on ne se décourage pas, me diriez-vous? Attends, c'est un jeu. Oui, c'est un jeu, mais on pourrait se décourager, dire non, c'est trop dur, machin. Mais parce qu'on l'a déjà fait, en fait, on l'a déjà fait il y a longtemps, hein. Je crois que j'ai vite fait regarder. Qui avait où, là, il y avait rien. Non, il va me suivre, tu crois? Oui, il me suit. Il a bonne chance. Si jamais je suis juste là, voilà. J'ai trouvé mon backup plan, c'est bon. On l'a déjà fait il y a longtemps, il y a des années de ça, mais donc on sait qu'on peut le faire. Il y en a une à droite aussi. Et on sait qu'on peut le faire sans internet. On n'avait pas regardé sur internet à l'époque. Il n'y avait pas internet à l'époque d'ailleurs. Oh. Oh si, il y avait internet, mais ça m'a fait rire. Je crois qu'il y avait un chemin là-bas. Oui, il y avait complètement un chemin. Bon, c'est pas grave, on va commencer par finir le niveau. On est protégé par une game. Ce serait plus facile si vous preniez un thé plutôt qu'un... Non mais arrête de... T'en as perdu 3. Non, tu viens d'en perdre 3. C'est ce que je disais, ce que disait Jusette Chushiro. Ce serait plus facile si vous preniez un thé plutôt qu'un DK. C'est Thierry qui me l'a soufflé celle-là aussi. Oh là là. Mais cette DK tombe. Ah oui, de vie, perdu. Ah bah c'est un niveau bonus, hein. Voilà, tu parles, mais toi aussi tu perds des vies. Ah mais j'ai perdu la foi, là. Aïe, bon. J'osais dire, j'ai pas peur, bah voilà où on en est. Tu te rappelles que dans le jeu, il y a un système de sauvegarde aussi, et que tout ce qu'on a fait n'est pas sauvegardé pour là. Ah oui, ce serait bien d'aller au Kong College pour sauvegarder, d'ailleurs. Oui, hein. Après ta vie, là, on va aller faire ça avant d'oublier. C'est très judicieux de le rappeler. On va mourir. T'as vu, tu vas mourir. Là, je ne l'ai pas dans mon petit. Bah, tu vas pas te l'automettre. Bah oui. Ah, oh, c'est bizarre. Je me demande si on va réussir à aller jusqu'à la moitié du niveau. Continue à me poser la question. Va savoir. Oh, non, c'est non, les deux vies que j'avais perdu l'autre fois. Non. Ah bah t'as vu tout ce que t'as perdu. Oui, j'ai vu. Je vais aller sauvegarder, hein. Ouais, bah oui, c'est vrai qu'on aurait pu mourir complètement dans celle-là. Oui, tout à fait, on aurait complètement pu. Le Kong College, il est là. Ton collège. Bonjour. Souffre. Save Games, elle nous vole deux pièces.
Voilà. Eh, c'est vrai qu'il y a des indices sur... Ah non, c'est pas elle. Les indices, c'est plutôt sur le chez le vieux. Hein. Mais c'est des indices qui, je trouve, sont très utiles. Regardez, par exemple, ici... Non, attends. Rattle Battle, voilà, on n'a rien du tout. Prenons un indice. Ça, ça va nous aider. On en a un sur Rattle Battle. Non. Ah, si tu as deux pièces. Rattle Battle. Are you up to eat at the start? Ah, c'est celui que t'as fait, ça. Bon, ben voilà. C'était le conseil Rattle Battle. Bon. Du coup, on pourrait retourner faire Rattle Battle, moi. Bah oui. Voilà. Bah oui, celui-là, on l'a... Are you up to it? De start. Bon, bah du coup, allez. Oh, j'avais pas vu qu'il y a un portrait de oui, King Kong. Je continue de penser que c'est dans les cales quand on parle de ce de temps en temps, il y a trois bananes qui dépassent du sol. Et ça, généralement, c'est une sortie de cale avec un canon. Mmh. Ouais, elle est tentante, hein. Bah, avec toutes les vies que tu as perdues, il faut bien que j'attrape le coup. Des régales. On sort bien. Donc le son, ça va mieux, hein, la colonne. Donc là, voilà, c'est... Là. Je le sentais bien ici. Mais c'était pas ici. Et je vais profiter de l'autre avantage d'avoir un guest, c'est-à-dire d'aller me servir à boire alors que tu continues à stream, sans mettre le stream en pause. Hop là. Yep. Je te propose un truc ou t'as assez avec ta bouteille? J'ai assez avec ma bouteille. Pas un café? Non, ça va. Are we up to it? Il s'en va, je gagne une vie, hein, direct. Oui, je ne m'en cache pas. Et le chat est encore plus médisant que moi. Il est médisant par nature. Le chat n'est pas notre ami. Le jour où c'est déjà arrivé que le chat soit mon ami, mais dans ces cas-là, j'ai l'impression d'être encore plus nul que l'habitude. Quand le chat est en mode « Allez, tu peux le faire », c'est que je suis vraiment mal. C'est la pitié du chat. Ils en ont marre de voir tout le temps la même chose. Ah, 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 là il y a trois bananes. Là il y a trois foutues bananes. Ça vous fait mal ? Volontiers. Ah non, c'est pas là. Hein. Il a rien vu. Ouais, hein, ça... je me suis bien amélioré, je trouve. Je suis parti se faire un café, mais je pense que ça s'entend assez violemment. J'espère que le gars lui prend, on va pas penser que ces trois bananes ne sont pas là pour rien. Et là, il y a encore une banane. Comment on y va? Ah ah, I knew it. Yep, bonne soirée.
Quelle bonne soirée à qui? J'essaie de Chouchiro. Ah! Là, ça y est, il n'y a plus Blunt sur la stream de Blunt, et du coup, il est l'enfant en monde. Complètement. Ah, ouais. Bon, on a trouvé un token, c'est déjà pas mal. Ah, nickel, nickel, nickel. I was up to it. Je te laisse ton bout de fromage ici. Oh, merci. C'est du comté. Il est délicieux. Et du coup, belle soirée à toi, Jisat Chushiro. Il est sans doute déjà parti, mais. J'aime bien qu'il passe de temps en temps. Ça fait super longtemps que je l'ai plus vu. Mais où est ce foutu jeton des cartes? Pam 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 pam. Oh, j'avais pas vu. Salut Space Monkey. Pas mal ton nouveau look. Tu m'as rien dit. Si, j'ai répondu un truc du genre. C'est vrai que je me suis bien amélioré. C'est super chouette le stream à deux. Je plus sois. Ah bah écoute, content que ça te plaise, Space Monkey. Minour, t'as bluché sur Phil, tu as vu, ils ont annoncé Total War Warhammer 3, oui, oui, j'ai vu le trailer, je suis hypé, je suis bien hypé, bien hypé. Je t'avoue, pas autant que pour Agent PR 4, j'attends plus Agent PR 4 que Total War Warhammer 3, mais je suis bien hypé, ouais, ouais, ça va être bien. Avec le qui se lève et le chaos. Après, je t'avoue que je suis pas un pro du lore Warhammer, mais voilà, Total Warhammer 3 ainsi que Age of Empires 4, ce sera des... c'est là-bas qu'il faut aller. Je sais pas, je tente. Bah, peut-être bien. Ce sera des achats Day One, hein, très certainement. Au lieu d'un Empire Total War 2 ou un Medieval 3. Bah, un Medieval 3, honnêtement, j'adorerais. J'adorerais. Un empire de... je sais pas. Ouais, peut-être. Plus un médiéval 3. Oh non, mais zut. J'ai pas beaucoup joué, je l'ai, mais j'ai pas beaucoup joué au Three Kingdoms, et le peu que j'ai joué, j'ai adoré. Faut que je continue. Mais j'avoue que quand je fais... Encore un jeu qu'il faudrait continuer. Bah c'est vrai que j'ai trop de trucs sur la... Figure-toi que j'ai acheté un jeu il y a pas longtemps... J'ai acheté deux jeux. c'est honteux, j'en ai acheté deux il y a pas longtemps, que j'ai pas encore lancé. Pourquoi je les lance pas? Parce que je veux les lancer en stream, je veux les découvrir en stream. Là c'est chouette la session découverte. Ah bah... Content que ça te plaise, écoute. Moi je trouve que c'est beaucoup mieux quand c'est des vraies découvertes que je lance vraiment. Mais ils disparaissent et réapparaissent à chaque fois. Ah voilà. Je trouve ça beaucoup mieux quand c'est une vraie découverte, que je lance vraiment le jeu pour la première fois avec vous, et que du coup je me fais avoir, que je découvre, que voilà. Il a pas tort. Figure-toi qu'il y a un casque VR et qu'il n'y joue pas non plus. Oui c'est vrai, il est là, il est juste là, il est là-bas au-dessus, et je prends pas le temps d'y jouer, c'est pas bien. D'ailleurs, Juju, ça fait un moment qu'elle me dit qu'elle aimerait bien le tester et elle prend pas le temps non plus, il faudrait que je la motive et qu'on prenne un petit peu de temps pour ça. Mais c'est vrai, c'est pas bien. Ah, zut, c'est pas bien, Space Monkey. Ceci dit, encore un grand merci de me l'avoir prêté. Il faut streamer la VR, ça il faut que je regarde comment faire. C'est déjà bon à savoir. Ah, nickel. Je peux streamer peut-être vous aider. Pour streamer la VR, ouais, bah, si t'as de la technique à m'apporter, pourquoi pas. Après, je t'avoue que j'ai même pas encore regardé comment faire et que ça tombe, c'est tout simple, hein. Faut que je regarde. Après, streamer la VR, ça va être chaud, t'as pas accès au chat. Tu vois. Enfin, il faut que j'essaye, pas quand même que j'essaye. Oh non. Oh, bah, dommage. Il y avait un seul ou pas? Et du coup, je vous dis pas les titres maintenant, mais très prochainement, quand je serai plus en nuit, je vous fais deux sessions découvertes. Y a pas un niveau au début, là? Ouais, si. Ah bah les deux, là, on a pas le... Oui, on n'arrivera pas à faire ce monde-là. Hein. Bah ça va, encore 45 minutes, non, on n'y arrivera pas. Du coup, je termine mes nuits mercredi matin. Non, mardi matin ou mercredi matin? Mardi matin, je crois.
Dès que j'ai fini mes nuits, je fais quelques découvertes, donc au moins deux jeux qui me hype bien. De quoi? Crawl? Non, mais c'est vrai que Crawl ça pourrait être sympa avec toi et Space Monkey. Mais ça, ce sera après on avait dit après les règles Covid, hein, parce que... Je tente. Mais non, mais j'aimerais bien, mais on va pas être à 30 devant un écran alors que il y a des restrictions et que c'est pour le bien de l'ensemble de la population. Ça va y être égalité sur celle-là. Je sais plus ce que je voulais dire avec ça. Oui, non, deux jeux, vous verrez. Ils sont très chouettes. Enfin, je les connais pas, mais il y en a un qui a l'air assez fun. Je pense bien, j'ai bien... Oui, je vois que Space Monkey a très envie aussi de Crawl. J'achète un scaphandre sur Amazon, sinon. Ou alors, avec Amashi, on tente... le multi, le faux local. Le faux local, ça peut être une option. Moi, je récupère mon avatar, parce que je sais pas pourquoi je joue avec... Et qu'est-ce que je disais, moi? Donc, il y en a un parmi les deux jeux que je vais tester la semaine prochaine. Il y en a un qui, à mon avis, va me plaire et que je vais bien doser en essayant d'aller très très loin. Je vous donne juste un indice. C'est un style peu présent pour l'instant sur la chaîne. Je vais vous donner le style du jeu. C'est un roguelike. Voilà, c'est un roguelike. J'ai pas fait beaucoup de roguelike. Je crois que j'en ai pas fait du tout, d'ailleurs, sur la chaîne. Et je vais, voilà, faire un roguelike. C'est cool, le roguelike. Ouais, j'aime bien aussi, et voilà. Donc, je fais un roguelike. Je teste ça avec vous la semaine prochaine. Tu proposes d'aller à fond sur Space Cadet, donc on s'en sort bien. Et je ne dirai pas le nom. Je ne dirai pas le nom, vous découvrirez la semaine prochaine. Et l'autre jeu, c'est un jeu d'aventure qui a l'air très très beau. Pokémon Origins. Non. Très beau, on a dit. Il y a plein de qualités à hein, Pokémon Origins, mais ça n'en fait pas partie. Et du coup, c'est un jeu d'aventure très très beau, bien noté sur Steam et atypique dans son gameplay, en tout cas de ce que j'ai compris. Volant 3. Nyahaha, malgré la. Detroit Became Human, non, non plus. Mais je ne vous dirai pas. Vous verrez la semaine prochaine, deux découvertes. Oh my god, mais ah ! C'est un bonus, on n'est pas mort. Hein. Va, hein. Ouais, bah oui. Vas-y, je suis pas sûr que le DK s'y trouve. Je savais ce que je faisais. Mais... Tu l'as cherché à un moment. Oui, hein, bah oui. Le destin t'a donné deux chances de te sauver. Je place mes bêtes, t'inquiète, ok. Écoute, voilà, il y aura un roguelike qui a l'air très sympa. Et par contre, ça ne peut pas être Enter the Gungeon, hein, Space Monkey, parce que Enter the Gungeon, je l'ai fait. J'ai même joué chez toi, si je me souviens bien. Ou non, c'était pas chez toi, c'était chez moi jadis. C'était l'ancienne coloc. Mais t'étais là et j'y jouais sur mon portable. Et je me souviens que t'étais derrière moi quand j'y jouais et que t'avais été intéressé par le gameplay. Et que tu. Je me souviens que tu regrettais de plus avoir le temps de jouer. Donc c'est. Mais oui, ok, je vais changer de bête, merci. Ah, donc ça doit être des jeux auxquels j'ai jamais joué. Par contre, c'est un peu facile de. Donc ne trichez pas. Parce que mes amis sur Steam, je crois qu'ils peuvent voir, je suis pas sûr, mais peut-être, on peut voir les derniers achats ou pas? Je ne surveille pas tes achats, il y en a trop. Mais non, mais... Ceci dit, attends, un roguelike, on voit de temps en temps sur Twitch pour l'instant, t'as Hades. Non, mais ça aurait pu, c'est vrai que ça aurait... Franchement, Hades, c'était un bon bet. J'aimerais bien peut-être un jour le faire, mais non, c'est pas Hades, mais ça aurait pu, ça aurait complètement pu. Attends, on a marché sur les plateformes de Maisy. Bah, elle a fini Hades. Bon, d'accord, vas-y. Tiens. Elle a fini Hades, et puis on peut être deux à streamer. On peut être deux à streamer sur Hades, y'a pas de soucis. Hein. Si elle veut faire Evoland 2, Ori, Donkey Kong Country,
Je l'invite même, moi, à faire du Dark Souls. Je crève d'envie de l'avoir joué à Dark Souls. J'adorerais ça. Honnêtement, Dark Souls, j'aurais pas fini le 1. Il nous reste une vie, au fait. De quoi ? Il nous reste qu'une seule vie ? Mais on a sauvegardé hein, depuis qu'on a gagné. On a chopé d'autres trucs. On a chopé d'autres trucs depuis qu'on a sauvegardé, ouais ? Oui, je crois. Aïe. Je ne vais pas te rappeler tout de suite que dans le jeu, la vie zéro. Hein. Il est à gauche là. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Moi j'ai très envie de continuer aussi avec toi, ma PTU et Maisy, Left 4 Dead. Ouais. Oh c'était drôle. Maintenant ouais. Tu touches au paramétré. Ah je me suis bien amusé, c'était vraiment très, très drôle. Mais enfin, manchot. J'aurais dit boulet. On l'avait déjà. Mais bon. Bon, elle les a tous sauf le DK en fait. Ah bah tu viens d'avoir. Quoi ? Mais non, non, c'est, t'as eu la caisse. Très au-dessus de ces deux-là. Je vais aller à la fin du niveau. Et on va les sauvegarder. Non mais attends, eux ils donnent des bananes. Comme celui qui donne des vies. Ouais, c'est ça. Mais il est plus dangereux, celui-là. Donc pour information, en fait, on a cru la première fois qu'on les avait rencontrés qu'ils donnaient des bananes, mais en fait, ils donnent pas des bananes, ils te piquent les tiennes. Un peu comme Daffy Duck dans le jeu que j'ai hésité à faire. J'hésite toujours, mais il a vraiment trop vieilli et il a vraiment pas que des qualités. Je veux pas aller au bonus, on l'a déjà fait. Bugs Bunny Lost in Time, qui a une petite particularité pour moi parce que c'est mon tout premier jeu PlayStation 1. Et c'est même mon tout premier jeu de console de salon à moi. C'est-à-dire qu'avant, j'avais des jeux comme en Nintendo, mais c'était des anciens jeux de mes cousins que j'avais récupérés. Du coup, et puis j'ai eu une Game Boy, mais sur console de salon... Ah oui, il faut sauvegarder. Mon premier jeu à moi, c'était Bugs Bunny Lost in Time. Je connais le début du jeu par cœur, parce que, comme nombre d'entre vous peut-être de cette génération, j'ai reçu la console, le jeu, mais pas tout de suite la carte mémoire. Du coup, on savait pas sauvegarder. Et du coup, on se retapait le début du jeu en boucle. Jusqu'à ce qu'on ait une carte mémoire. Oh, il était bien celui-là. Bon, il nous manquait le DK. Ok, voici mes trois bêtes dans l'ordre. Slay the Spire, Spelunky 2 ou Dead Cell. Oui, pour Spelunky. Voilà des bêtes intéressantes. Ça, c'est pour le roguelike. Pour l'autre, il n'y a pas d'indice, donc c'est chaud. Je vais quand même donner un indice, je vais essayer de réfléchir à un indice pas trop... Comment ? Donc pour le roguelike, je dis juste que c'est un roguelike qui me tente et que je n'ai jamais lancé et que j'avais fait. Pour le jeu d'aventure, je réfléchis à un indice bien dosé, du coup pas trop flagrant et pas trop dur. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Ah ! Là, je réfléchis, du coup j'ai une partie. Le jeu en bohème. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, Colonna, oui. Ça, je l'ai. C'est vrai que je l'ai à peine touché. Il faudrait que je le fasse un jour. C'est. Tu parles de Kingdom Come. Kingdom Come Deliverance. Renonce-le bien, s'il te plaît. C'est pas Kingdom Come ? Comment tu dis ? Kingdom ? Kingdom ? Non, mais ne le prononce pas, en fait. Mais si, dis-moi comment on dit Kingdom en anglais. Le Kingdom, c'est très bien, c'est le portrait, le problème. Bah, c'est pas Come ? C'est pas ça que j'ai entendu la première fois. T'as entendu quoi ? Cum ? Cum ? C'est quoi Cum ? Ah, tire à voir. Je sais pas, un cum pour moi c'est un cum, c'est un mec. Un cum. Ah, tout à fait. Un cum. Mais c'est vrai que mini-cum du coup est vachement glauque. Un mini-cum c'est les mini-mecs. Mais c'est quoi un cum ? Tu vas pas assez sur les sites pour moi. Cum. Ah oui, d'accord, ok. Bien. Ami du bon goût et de la poésie, bonsoir. Mais c'est toi qui insiste. Là, je cherchais ce qu'il y avait de déplacé ou de glauque dans Cum. Mais tu as sali mon enfance. Oui, c'est ça, quoi. Maintenant, je pourrais pas m'empêcher d'y penser sur Mini Cum.
Minicam, wow, minicam. On est la minicam génération. D'ailleurs, je l'ai dit à un pote il y a pas longtemps, ça m'a fait rire. Antoine de Caunes, pour moi, c'est Coco dans le minicam et le Seigneur d'Agonais. Voilà, c'est sûrement plein d'autres choses, il a sûrement fait plein d'autres choses ce mec, mais pour moi, c'est Coco dans le minicam et le Seigneur d'Agonais. Du coup, non, ce n'est pas Kingdom Come Deliverance. Je réfléchis. Ah, au secours, je suis nul dans le. Chaque fois que tu dis je réfléchis. Je suis vraiment nul dans le niveau aquatique. Donc, jeu d'aventure, je réfléchis à un indice. Donc, c'est atypique dans le gameplay, dans le sens où de ce que j'ai lu. Voilà, ce sera ça l'indice. De ce que j'ai lu, dans la description, parce que j'ai pas joué, on doit éviter les ennemis. Et on n'est pas, on ne les tape pas, on n'y a pas de combat en fait, parce qu'on est plus faible que les ennemis, et du coup on doit user de ruses et de voilà, pour progresser à travers l'aventure, c'est pas de la baston, c'est différent. Voilà, ce sera ça l'indice. Il y a des bananes. Europa Universalis 4 est un très bon jeu d'aventure avec un jeu atypique pour un jeu d'aventure. Faut aussi éviter les ennemis si on les tape pas vraiment. Et on les tape pas vraiment. À propos de Europa. Donc Space Monkey, il pense à Death Stranding. Pour le jeu d'aventure. Mais je ne dis rien. Vous verrez la semaine prochaine. Et du coup, GG, Thierry. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Europa Universalis, pour les amateurs et pour les intéressés, éventuellement, pour les curieux. Demain à 17h, je fais un tuto pour un pote qui sera avec moi en Discord. Ce qui permettra du coup à ce pote de poser toutes les questions qu'il veut s'il a des incompréhensions. Je ne sais pas encore sous quelle forme je vais faire ça. Je pense... je pense que je vais d'abord faire un tuto sans lui, c'est-à-dire... Tu te rappelles que tu fouilles la zone, hein? Oui, oui. Ah. J'aurais pas dû te déconcentrer. Tu peux jouer le poisson si tu veux. Donc, au début, je crois que je vais juste faire un stream. Il regarde le stream et il me pose des questions éventuellement. En passant en vue, dans les très grosses lignes, comment le jeu fonctionne. Et puis après, dans un second temps, on commencera une partie multijoueur où on ira à notre rythme et où il pourra me poser aussi toutes les questions qu'il veut, s'il en a. Mais il y a tellement de choses, tellement de paramètres à prendre en compte qu'au bout d'un moment, Europa Universalis, il faut comprendre le B.A.B.A., se lancer, faire des erreurs et apprendre de ses erreurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bon, donc si ça vous intéresse, 17h demain, petit tuto. Et du coup, le stream pourra aussi, bien sûr, le chat pourra aussi, bien sûr, poser ses questions s'il en a un. Excellent jeu, hein, Europa Universalis, mais il y a le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'il est tellement velu qu'on ne peut y prendre plaisir tout de suite, quoi. C'est pas comme un Donkey Kong Country où tu prends la manette, t'as compris instantanément le gameplay, quoi. Allez, explose. Voilà, pati, poti, poti, poum, poti, poum, poti, poti, poum, poti, 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 poum, poti. Une banane, c'est la bonne piste. Quelque chose me dit qu'on a déjà fait ça. Eh, salut, Mafeteus. Luchidan. Eh bien, c'est dommage que tu arrives seulement maintenant parce que je sens que la petite énigme de tout à l'heure t'aurait bien plu. Du coup, juste pour toi, je vais te la refaire. Space Monkey a déjà placé ses paris. Et je te laisserai peut-être, si ça t'intéresse, placer les tiens. Donc, la semaine prochaine, je vais faire deux découvertes de jeux auxquels je n'ai jamais touché. Et le principe est de deviner, en fait, tu regarderas le replay. Oui, mais non, mais là, le but, c'est que tu donnes tes guesses ici. Donc, deux petites découvertes de jeux que je vais ouvrir pour la première fois avec vous. Alors, il y aura donc un roguelike. Et lundi, c'est juste ça, c'est un roguelike qui m'a bien tenté. Et voilà, donc là, il y a... Tiens, tu peux reprendre ta discussion.
Et l'autre, c'est un jeu d'aventure atypique dans le sens où, je sais que c'est pas le seul, mais l'indice que je donne, c'est que le personnage qu'on incarne est beaucoup plus faible que les ennemis. Et de ce fait, on ne les combat pas, mais on les évite plutôt et on essaie de résoudre nos soucis et de progresser dans l'aventure par d'autres biais. Ce que j'ai lu dans la description, je ne l'ai pas encore fait. Little Nightmare. Je ne vous dis rien, vous verrez bien. Du coup, Mafeteus, on blablate beaucoup, mais on n'avance pas beaucoup. on est en jeu là depuis 17h. Ça fait une bonne heure 30 qu'on joue. Et on a eu quoi, 2-3 trucs, 2-3 de fond des cas. Ouais, pas grand chose. Ouais, pas grand chose. Après, voilà, on passe un bon moment, c'est sympa. Ah, bon, guess aussi, Little Nightmare. Paparipi pouloupou, papou pouloupou. On a vraiment rien ici, donc bon, hein. Ouais, ouais. Faut y aller. Hein. Tu m'étonnes qu'on a vraiment rien. C'est vrai que tu dirais ça. Ce niveau, c'est un cauchemar. Hop là. J'ai vraiment cru que t'allais dire. Tiens, tiens, prophète de malheur. Aucun commentaire. Hein. Il me faudrait vraiment le devin. La musique est incroyable, je l'ai tellement poncé ce jeu, je pense que je l'ai fini à 100%. Eh bien figure-toi, Ah bah tu parles de quel jeu en fait, Space Monkey? Tu parles de Donkey Kong Country ou d'un autre jeu? Alors, Mafeteus il dit Space Monkey 2, tu n'es pas le premier à avoir parié là-dessus. Space Monkey 2, et Don't Starve peut-être. Don't Starve, c'est marrant aussi ça. Bah Don't Starve, c'est le truc un peu Tim Burtonien, oui, j'ai déjà joué celui-là. Non, il s'agit de jeux que je n'ai jamais joué, auxquels je n'ai jamais joué. Donkey Kong, voilà. Bah pour info, Space Monkey, et c'est d'ailleurs le but ici de ce stream, le jeu ne se finit pas à 100%, mais à 102%. Le 1 de Donkey Kong Country se finit à 101%, le 2 à 102%, le 3 à 103%. Et là, notre objectif, c'est d'arriver au 102%, donc d'avoir vraiment tous les décas, tous les coins de tous les niveaux bonus, etc. etc., etc. La petite le petit secret le petit truc caché clin d'œil des devs, je sais pas comment appeler ils l'ont fait à 102% celui-ci. Easter egg, c'est ça que je cherchais, ouais. Œuf de Pâques. Oui. C'est un peu triste d'ailleurs, parce que dans un des épisodes des Simpsons, en français, ils traduisent réellement Easter egg par œuf de Pâques, et du coup, tu comprends absolument pas ce qu'ils disent. Ah oui, ben ça c'est... ils font beaucoup ça au Québec. Mais je me demande si la loi ne leur oblige pas à faire ça au Québec. Y a pas un truc, si, un truc pour protéger la langue française là-bas, pas qu'elle se fasse complètement manger par l'anglais. Ils sont obligés de tout traduire. Ça fait des titres des films très rigolos d'ailleurs. Et des noms de personnages aussi. Ah, peut-être pouvoir aller dans ce truc. Je me demande si dans Star Wars, c'est pas Luke. Facile. C'est pas Luke Courceciel. Je déconne pas, hein. Je me demande s'il s'appelle pas vraiment Luke Courceciel dans Star Wars. Ah, le tonneau qui rend un vin. Allez, mais descends. Mais. Il est plus bas. Tu peux y aller. Ouais, il y a un tonneau invincible, juste plus bas. Voilà. Je sais pas où je dois aller après. Au Québec, le KFC s'appelle le PFK. Et là, il y a les bananes. Poulet frit du Kentucky. Ah bah oui. Ouais, bah à mon avis, c'est une loi. Hein. C'est une loi au Québec. T'es obligé de tout traduire. Paparam. C'est une pochette, oui. Seulement, t'avais des cheveux. Ouais. C'est honteux ce que je fais parce que je fais exprès de faire des trucs que je vais clipper après. Ils s'auto-clippent aussi, maintenant. Eh, ça m'est déjà arrivé de m'autoclipper. Parfois je dis un truc très drôle, le chat réagit pas, alors je boude et je clippe. Et du coup, je me dis réagira plus tard.
Tout à fait, c'est une loi. Merci Space Monkey pour la précision, il me semble bien. C'est pour protéger la langue française, parce que étant complètement entouré d'anglophones et l'anglais étant présent partout, il faut le dire, sur le, enfin, dans notre culture, c'est vrai que sans cette loi-là, même si ça peut paraître a priori un peu bête, sans cette loi-là, le français ne ferait pas de vieux os là-bas, il se ferait manger. D'ailleurs, il paraît que le français parlé au Québec est plus proche de l'ancien français, entre guillemets, que chez nous. Chez nous, il a évolué un peu plus. Enfin, il a changé, il a évolué. Évoluer a toujours une connotation positive, j'ai l'impression. C'est vrai, quand on dit que le cancer évolue. Mais c'est vrai, on dit que le cancer a évolué. Du coup, c'est pas toujours positif, l'évolution. Est-ce que le mot évolution a une connotation forcément positive? C'est après ça, Pikachu, non. Ah, c'est vrai qu'il refuse d'évoluer, celui-là. Est-ce que ça peut servir? En effet, il est plus classique que notre français, merci Colonna. C'est bien, on dit des bêtises. Enfin, on suppute des trucs, et le chat vérifie. Je vais encore me dire que c'est un mot rigolo comme cum. Mettre Irani sur orbite, tout ça. Non! Ah, j'ai perdu le boulet! Non, non, là toujours. Moi aussi, je prépare mes clips. Joli! Merci. Et maintenant? Je récupère mon boulet, hein. Non, c'est foutu. Ah! C'est pas foutu, prends-le, nom de Dieu. Je savais ce que je faisais. Je savais exactement ce que je faisais. Tout est maîtrisé. Ouais, complètement. Voilà. S'il te plaît. Voilà comment on débloque un jeton des cas. On n'a pas fini. Par contre, on a vu. Ben non, mais non, évidemment qu'on n'a pas fini. T'as vu le. Ben il y avait le bonus. Ah, j'ai pas vu. Ben le boulet que j'avais en main, c'était un bonus. C'est vrai que. Ben si ça tombe, on l'avait déjà fait. Hein. Ben je sais pas. Sauve le jeu, puis on va voir. Allez, 76%. Plus que. Non, non, 25 regarde, du coup. Non. C'est possible. Du coup, plus que combien? Voilà, 26. Vous voulez compter la retenue? Gugère. Oui, shérif. Ah, faut-il présentement additionner ou soustraire? C'est pas tout. Oui, monsieur shérif. Un jour, je te ferai rajouter aussi le... 6%. Ça compte. C'est rare quand j'utilise celui-là, alors j'en profite. Vu que le français est plus classique, il doit pas être très épicène. On va éviter. Ce mot est proscrit. Danger. Même si ça me fait. Je sais pas ce que ça veut dire. Même si ça me fait beaucoup rire. Hein, ma fétiche, je l'admets, ça me fait beaucoup rire, mais on va éviter le sujet. Qu'est-ce que tu fous? J'essaie de te tuer. Non, le but c'est d'aller chercher le boulet. C'est après la moitié du niveau, donc là tu montes. Ouais, là pour le coup c'est relativement... La petite bête qui monte. Par contre le boulet je ne sais plus, c'était... On va dire qu'il t'a monté au troisième principe. Ouais. Je réfléchis, on se concentre un petit peu. Jusque là, on l'a pas loupé je crois. Je suis mort un peu plus loin, je te donne. Fait longtemps que j'ai pu regarder des streamers québécois. Souvent quand j'arrêtais mon stream, pas souvent, mais il y a longtemps, il y a quelques mois, j'arrêtais souvent un stream très très tard quand je streamais et que j'étais pas au boulot. Et quand je cherchais des gens chez qui faire un raid, je tombais parfois sur des Québécois qui étaient en plein stream. Dont un ou deux, ah voilà le boulet. Dont un ou deux où je suis toujours abonné, ils sont fort sympathiques à regarder. Ah bah voilà. Bah ça va tout de suite mieux quand c'est toi qui le fais. C'est fou hein. Bah c'est parce que je t'ai montré la voix. Avez-vous trouvé la voix? Non, alors je vais vous couper la tête. Tu sais que tu dois tous les buter. Badabidi. Allez. Yes. Merde. C'est tout en haut. Oui, je prends un boulet avec pour aller plus vite. C'est logique. Ah non. Ah, c'est bête. On sait même pas si on l'a ou pas. Je teste. Ben, du coup. Oui, c'est vrai qu'on ne sait même pas. Si... Il faut recommencer, du coup. Ouais,
Allez, on the road again. On the road again, again. Nous étions jeunes et larges d'épaule. On dit joyeux, insolent et drôle. J'attendais à ce que tu suives, mais c'est. C'est Fenring qui a la suite de la chanson. Fenring a une chanson qui lui dit qu'il est large d'épaule. J'ai hâte d'entendre ça. Mais non, mais il connaît ce chanson-là, il a l'habitude. Quand je la fredonne, de la continuer. Ah, en tout cas, d'accord, la musique sont bien, mais c'est comme à la volette, hein, ça reste en tête. Essaye de faire payer les viewers comme tout à l'heure. J'y ai pensé en le disant. Figure-toi que je le disais, et en même temps je me suis dit, ah, quelqu'un va peut-être le jouer. Mais il coûte vraiment trop cher, hein. Je l'ai mis à 150 bits, je crois. C'est vraiment, c'est une blague à 1 euro, quoi. Nani ! Nani ! Colonna s'insurge. Ah, désolé, tu dois faire le choix. Ah, bah ouais, ah, bravo. Adieu. Merci. Ah, zut. Comment j'aurais pu deviner qu'il glissait sur la corde, c'est la première fois qu'il met ça. Et le son t'a pas aidé. Ah, Colonna, il dépense ses points de chaîne. Ses points de chaîne, c'est précieux Graal. Il va pouvoir ajouter le son. Pas encore été joué d'ailleurs le son que tu as ajouté. Non mais on ne le mérite pas. Moi aussi quand on trouve un jeton DK et tout, on mériterait. Non, on ne le mérite pas. Et encore devoir faire le chemin normal. Hein. Merde. Allez, descends. Attention, il descend. Mais oui. Ah non, deux fois au même endroit. Exactement. Il a 9300 points, donc s'il veut, il peut tout à fait me faire ajouter un son. Vous savez qu'il y a trois types de personnes. Salut Space Monkey, que ça aille bien, passe une excellente soirée. Merci beaucoup d'être passé sur le stream, ça fait super plaisir. Bonjour à madame et au petit loup. Tu disais ? Je disais, il y a trois types de personnes. Yo. Oui, mais ça va. Oh, tu ça veux va. Pas la suite ? Non. Bon, d'accord, exactement au même endroit. Est-ce que tu connais l'ironie du sort ? Va mourir une troisième fois sous le petit. Oui! Sous l'océan. Oh merde. Sous l'océan. Allez, on va essayer d'y arriver cette fois-ci. Ah. Je perds du temps. Mais non, je voulais passer à. C'était pas exactement au même endroit. Hein. Non. Attends, on va essayer. Ben non, c'était pas exactement de la même manière. Et j'ai essayé une autre technique. Ça. Tout le plaisir est pour moi, je le repasserai. Ah bah, le plaisir. Promis, j'essaierai de regarder un peu pour le stream VR. Bon, je vais quand même tenter de survivre. Ouais, pas trop. Même si. Je vois comment je pourrais faire pour envoyer le enfin, mais encore. Je crois que ça doit pas être trop compliqué d'envoyer ce que je vois en stream, mais par contre, trouver le moyen d'avoir une vue sur le chat en même temps, je crois que ça doit être possible, mais alors là ça dépasse clairement mes compétences. Comment t'as fait ça? J'ai l'impression que ça a glitché. Ou alors j'étais occupé ailleurs. J'ai vraiment sur la grille pour moi t'as glitché à un endroit. Des années d'expérience. Ouais. Allez, on va quand même réussir ce bonus avant la fin de ce stream, ce serait pas mal. Bien. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, c'était pas les chroniques de Mea. Je sais jamais d'ailleurs, Balou m'a encore corrigé l'autre fois, mais c'est Mea ou Mea Je pense que vous aviez conclu Mea, mais... Mea. Bref, je pense pas que c'était Mea. C'était peut-être la chaîne de Paul.
où j'ai appris que pour animer les singes ici dans Donkey Kong Country, chez Rare, ils avaient été au zoo en Angleterre. Il y avait un zoo pas loin de là où ils programmaient pour étudier les mouvements des gorilles. Donc ça, c'est cool. Tiens, Blutch, t'es toujours en semaine de nuit? Ouais, ouais, jusque mardi 8h du matin. C'est pour ça qu'on va arrêter le stream à 19h. Désolé. Est-ce que c'est comme ça qu'ils ont découvert que les otaries peuvent créer un produit qui neutralise le poison dans l'eau? ça doit faire partie de leurs études. C'était bien. Non, désolé. Ah, faites qu'on ait fini ce niveau. Ouais, c'est pour ça que pour l'instant je fais des petits streams de 17 à 19, j'ai pas tellement le loisir de faire autre chose. Je sais que le week-end, notamment samedi dimanche, t'as plus le temps de passer. Si ça t'intéresse, Europa Universalis demain, ça va être sympa. Bah après, demain, ça va être, voilà, ça va être un tuto, donc c'est vraiment si ça t'intéresse, quoi. Je pense pas... Ah, nickel. Et on avance quand même, hein. Ouais, sauvegarde, c'est une bonne idée. Une très très bonne idée. J'aime bien voir l'évolution du pourcentage du fond. Allez, 75, 76. J'étais à 76, j'espère. Ah, 77. Mais non. Et dans tous les jeux, le bouton rouge il sert à quitter. Junior, tu vois le bouton rouge? Appuie sur le bouton rouge. J'aime bien écouter ta douce voix de streamer. Oh, ça fait plaisir. Mais la voix de Jidan ici aujourd'hui aussi. Enfin, la voix de Virjou aussi. Il y a beaucoup de voix. Quand on est... Et parfois même, il y a la tienne, Mafeteus. C'est vrai. Moi, j'ai hâte de continuer. Ah, franchement, j'ai très très hâte de continuer notre aventure. Ça me fait un peu penser à ces émissions où t'es dans le public et de temps en temps, t'es sélectionné pour jouer. C'est un peu de ça. Ah, mais moi, j'avais trouvé ça trop drôle, vendredi dernier, comment c'était improvisé en deux minutes. Allez, on a quatre joueurs dans le chat, c'est parti, on se retrouve sur Discord. Ah, c'était gay. Et j'ai passé une super soirée. Wow. Ma voix est trop moche, c'est pas vrai, ta voix est pas moche. Je me rappelle. Écoute les VOD de... Non. Écoute les VOD de vendredi dernier, ta voix est pas trop moche. Ah bah même quand tu me râles dessus parce que je fais pas attention à ton personnage en train de mourir, ta voix est pas moche. Ah oui, il nous manque le DK ici. On va essayer de ramener le Rhino, à mon avis c'est lui qui se transforme en DK. Ok, Ah oui, ça doit être ça, ouais. Donc du coup, dis-moi si je loupe un truc, hein. Enfin préviens-moi parce que j'ai pas très bien vu où est-ce qu'il y avait les Rhinos. C'est plus loin. T'es pas attentif, ça me ressemble à ça. Bah je réfléchissais, j'étais ailleurs. Je regardais sans... Il faut pas... Bon, tu peux, hein. De quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est à droite de l'abeille, en volant, tu sais, arriver au rhino, et en fait tous les canons te font passer au-dessus. Ah d'accord, ok. D'accord, merci. Mais voilà, c'est le genre de truc qu'il fallait me dire, par exemple. Et il faut amener le rhino jusqu'à la fin du niveau. Et si tu te rappelles bien, la dernière fois, on a essayé. Et tu es mort juste après avoir sauvegardé. C'était clippé d'ailleurs. Oui, il m'a saoulé. Quand même des très grands tonneaux. On parle des bateaux de transport d'Age of Empires. Ah, d'ailleurs, en parlant d'Age of Empires, ça aussi, il faut que je fasse avec Mafeteus du petit Age of Empires 2. Être sympa. Non! Je sais pas ce qui m'est passé par là. Ah! En plus, on a sauvegardé, du coup, c'est la moitié. Du coup, il faut commencer. Je viens de te dire, la dernière fois, on ne l'a pas fait parce que tu es mort juste après le point de sauvegarde. Oui. Je crois que tu nous as fait exactement la mais même. Mais ça doit être de la suggestion. Oui. Voilà. Je me rappelle, la dernière fois, tu as eu le jeton DK sans problème. Mais c'est. Voilà, c'est de la suggestion, voilà, tu as un petit côté mentaliste. Il était là le point, hein. C'était pas très loin quand même. Non, je râlais parce que tu faisais pas attention à Jidan en train de mourir. Le seul truc qui change dans son explication, c'est que dans son explication, lui n'est pas en difficulté. C'est toi. Après, regarde la VOD, je faisais ce que je pouvais. Et finalement, on a réussi ce niveau. Les 20 premières minutes, je jouais pas trop mal, et puis après, j'ai pris le contrôle du perso. En vrai, on a fait plus ou moins ce qu'on avait dit au début, c'est-à-dire les premiers niveaux. Hein. Je crois que toi, comme moi, Mafeteus, on connaît pas la suite du jeu. Et j'ai très envie de voir la suite de ce jeu. Et a fortiori, avec vous, ça pourrait être très sympa.
En fait, c'est même pas que ça pourrait être très sympa, c'est... Excuse-moi, je t'ai coupé, Gizet. Écoute. Je disais juste, je continue à dire que Vermintide, c'est cool aussi. Je sais pas pourquoi j'aime moins Vermintide que... C'est sympa, hein. Et on l'a déjà fait, celui-là. Oui, oui, on a tout sauf non, a tout le Rhino que tu as balancé. Je dis pas que c'est un mauvais jeu, loin de là. Il faudrait que j'essaye avec des classes à distance, peut-être. Mais j'ai vraiment plus de plaisir, de frisson, de... J'aime mieux Left 4 Dead. Et du coup, je voulais dire, c'est pas que ce serait sympa avec vous, c'est que hors de question que je continue à streamer ça sans vous. Ça n'a aucun sens tout seul, évidemment. Non, mais c'est pas que t'as dit, moi, ça n'a aucun sens de jouer à ça tout seul. C'est peut-être mignon si tu veux, mais ça n'a aucun sens tout seul, c'est pas drôle. Ketchup. Ketchup. Quoi ? Pilon de poulet avec une marinade de ketchup qui vous attend. Bonjour, pour vous récompenser quand vous aurez fait 102%, j'ai des pilons de poulet avec une marinade. Il y a droit quand même si on n'a pas les 102, parce que là. Bah, toi, tu auras droit. Moi, je vais aller bosser, mais toi, tu auras droit. Merci beaucoup, Balou. Cette partie était bien drôle et de toute façon, c'est pas intéressant pour les viewers si on joue pas comme des sacs. C'est assez vrai. Ça se vérifie. Ça se vérifie pas mal. Il est possible que je t'ai volé ta douche chevelure. Douche chevelure. Il y a une banane qui vole au vent. Écoute, prends cette banane. Eh, tu préfères que je meure comme ça, hein, que de gagner. C'est plus jouissif. Alors, ma fétiche, on est d'accord, c'est beaucoup plus intéressant quand on joue comme des sacs. Je trouve ça beaucoup plus rigolo. Par contre, je récupère ma douce chevelure. Enfin, tu préfères Dixie ? Vraiment, parce que moi, ça me dérange pas. Mais... C'est surtout que pour le passage en question, c'était plus simple à quel, ce passage-là, d'ailleurs. Ah oui, effectivement, je vais récupérer Dixie. Voilà. À un moment random croco là dans Rayman 3 donc celui qui a décidé de redevenir rigolo parce que je sais pas si tu te souviens de Rayman 2 mais donc il y a Rayman 1. Ah non non, reviens ici. Ça marche bien. Ouais. Il y a Rayman 1 du coup voilà on est des plateformes de musique etc des les gâteaux, ne comptent pas. Oui, on est au courant Balou. Heureusement d'ailleurs. Ou c'était peut-être une question en fait, hein. Non, non, petit type, ah oui, type, oui, j'ai pas vu. Petit type, on est au courant. Soit il nous donne un conseil, soit il essaye de nous donner un pourboire, au choix. Et du coup, donc Rayman 1, tout mignon, tout gentil. Rayman 2, c'est à peu près le même virage qu'a effectué plus tard les Jack, de Jack 1 à Jack 2. Quoi. Rayman 2, c'est très sombre. Et Rayman 3, ça redevient délirant. Et dans le tutoriel, quand on t'apprend à faire l'hélico avec tes cheveux, t'as le manuel, enfin le petit personnage qui lit le manuel du tutoriel qui dit « L'hélico avec tes cheveux ?» et qui se demande lui-même ce que les développeurs ont fumé. C'est une affirmation, donc ne mourrez pas en les chopant tout. Non, c'est ici maintenant qu'on meurt, juste après le point de sauvegarde, alors qu'on a réussi à garder le rhino, alors que c'est le but de notre opération, c'est d'amener le rhino jusqu'à la fin du niveau. J'espère qu'on va y arriver. On compte sur toi, Jidan. Tu sens que je deviens de plus en plus prudent. Ah oui, là je sens. Oui. Il est juste là, on peut le faire. Oui, la prophétie. GG, c'était bien ça. Bien joué, hein. Bien joué, Jidan. On peut sauvegarder, du coup. 18h54, on aura peut-être le temps de choper un dernier DK ou encore un bonus avant la fin. Ah ouais, mais je connais pas la position de tout. Celui-là, j'ai une réminiscence. Merci. Hop, voilà, comme ceci. Cherche le DK. Donc là, il faut le DK, ouais. Je sais plus ce que c'est, ça. Celui dans l'eau. Ah, celui pour les épileptiques, enfin, qui est déconseillé aux épileptiques. Pour les épileptiques. Bien. Ça va te tuer ou ça va te soigner, au moins on sera fixé. Après, les effets comme ça, à l'époque, c'était impressionnant, on va dire. Bah, et dans l'ensemble, je trouve que la sélection naturelle sur épileptique est bien faite. Oh. Da. Oh. Je sais que mon petit frère a fait des crises d'épilepsie quand il était jeune. Oh. Tu n'as pas de petit frère ? Heureusement maintenant il a plus rien hein, parce que ça peut se guérir. Tu m'étonnes avec un entraînement pareil. Mais ça peut se guérir, ça peut se... Je savais pas mais ça peut complètement se guérir, partir et... Le but du stream, finir plus haut que Mario sur le podium.
Non, vous finirez dans la poubelle comme Sonic et Earthworm Jim. Y'a Earthworm Jim, y'a pas Luigi. Je fouille. Oh, bah je déteste le niveau aquatique. Pourquoi t'allais faire un niveau aquatique? Et pourquoi on n'a pas été voir l'indice pour ce niveau-ci? Ah, j'aurais compris. On va venir voir l'indice. Il me semble qu'il y a le flingue laser de Earthworm Jim. C'est possible. Tristesse, j'adorais Earthworm Jim. J'ai pas joué, enfin si, un petit peu en émulation, parce que c'était recommandé, mais j'ai pas beaucoup joué. Mais ça avait l'air d'être un jeu très 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 très, très chouette. Je pense que j'aurais passé beaucoup de temps si je l'avais eu étant plus jeune, mais je l'ai découvert tardivement. Banane là-bas. Ouais. Ouais, y'a un truc là-bas à mon avis. La version N64 de Earthworm Jim défonce les bouches. Non, c'est faux. Merci Balou, merci pour ce que tu fais. Balou est un fervent défenseur de la Nintendo 64 et régulièrement je lui explique à quel point je n'aime pas cette console. Pour toutes les licences qui pour moi ont été ratées dessus. Ah, ils en ont raté quelques-unes. Ils en ont raté quelques-unes. Mais voilà, laissons à César ce qui appartient à César. La NES 64, Nintendo 64 a des bons jeux aussi, mais bon. Megaman 64, visiblement Earthworm Jim 64. Ah oui, non, Megaman. Megaman. Je pensais à Bomberman. Bomberman 64, j'ai des bons souvenirs avec les potes. Non, je laisserai pas des gens critiquer. Non, Megaman 64. Tu prends Megaman sur Super Nintendo, Megaman X. C'est de la vitesse, c'est une musique entraînante, c'est de la nervosité, c'est un gameplay soigné. C'est... Enfin voilà, c'était top à tous les niveaux. Tu prends Megaman 64. Tout d'un coup, il a un balai bros dans le pet. Il a. Il a une maniabilité horrible. Les niveaux sont vides de chez vide. Bah, ça, c'est à l'époque, voilà, quand on voulait faire de la 3D et qu'on n'avait pas beaucoup de place. Tantine, Justine. De quoi? D'avoir toutes les lettres? Faut expliquer. Les gens ne se souviennent pas après deux mois. Si tu devais expliquer, c'est que c'est pas drôle, chef. Oui, Megaman 64, c'est une tristesse. Heureusement, quand ils ont reboot la licence sur Game Boy, ils sont revenus sur du gameplay 2D pour les combats. En même temps, sur Game Boy, je pense pas qu'il y avait la possibilité de faire de la 3D. À part Doom, peut-être, parce que, évidemment, Doom peut être porté sur toutes les consoles du monde. Ce jeu qui a été porté. Enfin, je sais plus si c'est. Je crois que c'est Potato Is Great qui m'a montré que Doom avait été porté sur un test de grossesse. Quoi? Un test de grossesse électronique et ils sont servis du processeur du test de grossesse pour émuler Doom dessus, pour montrer à quel point le jeu était optimisé et pouvait être mis partout. Enfin, tout ça. Ça fait 25 fois qu'on fait ce stage bonus, qu'on finit devant l'arrivée et du coup on loupe tout le reste. Oui, on est d'accord. Mais oui, certains jeux sont faits pour être en 2D et je suis content qu'on soit revenu avec la vague du rétro gaming. Tout à fait, ma Fetleus. D'ailleurs, j'adore, on en parlait tantôt, les Donkey Kong Country Return et Tropical Freeze. Donc pour moi, les descendants du jeu auquel on est en train de jouer ici. Je n'aime pas, je sais que c'est pas des mauvais jeux, mais j'aime beaucoup moins les Donkey Kong 64. Pourquoi je dis les, il y en a qu'un. Merci d'avoir chuchoté. Ils n'ont pas entendu. En vrai, quand on chuchote, je pense pas que... Pour faire de la ASMR, il faut mettre le gain du micro à mort. Et en vrai, donc je sais pas si quand on chuchote... Est-ce qu'on entend?
J'ai l'impression qu'on entend un peu. Bon, je suis à peu près certain. Ah, par contre, mon cher Jidan, après cette vie-ci, on va clôturer, dire au revoir, envoyer éventuellement les viewers chez un pote si quelqu'un est en train de streamer. Mais je vais devoir te laisser me préparer pour aller bosser. Bon. Ça va aller plus vite que prévu cette vie. Allez, on va trouver. Bah mais c'est parce que comme ça tu joues et puis moi je j'interagis avec le chat. Ben, en termes de lore, DK64 c'est un jeu DK Country. Ce sont les Konga et Jungle Beat qui sont un peu à part, je crois. Oui, si on parle du lore et de l'univers, d'accord. Mais en termes de jeux vidéo, de gameplay, le Donkey Kong 64, du fait d'être passé en 3D, est quand même très différent. Mais en termes de lore, ça, c'est, oui, c'est le même univers que Donkey Kong Country. On n'est pas dans un autre jeu Donkey Kong. Non, ça sert à rien de gagner des... Je vais vivre. Bon, toute dernière essai et puis après on y va. On a sauvegardé, on est sûr. Hein. Oui. Ok. En termes de gameplay, tu as parfaitement raison, c'est un bon jeu Kazooie, donc un Mario 64 en plus drôle et avec plus de pouvoir. Mais je sais qu'il y a des perles, mais personnellement, de mon expérience personnelle, la 64, qu'est-ce que j'ai bien aimé sur cette console ? Bah, même pas le Mario Kart, je sais qu'il est pas mauvais, mais... voilà, pour un jeu de cartes de cette époque, moi je préfère Crash Team Racing. Le GoldenEye, j'ai quand même des bons souvenirs avec les potes. Il y a bien sûr le Nightfire auquel j'ai passé plus de temps, mais c'est pas la même génération, on est sur PS2, donc GoldenEye. J'ai passé beaucoup de temps sur F-Zero X chez mes cousins quand j'étais petit, j'adorais ce jeu. F-Zero X. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bomberman, j'ai passé beaucoup. Diddy Kong Racing. Diddy Kong Racing, ah, et Bomberman, j'ai adoré. Alors Perfect Dark, m'a fêté, j'ai pas joué, mais tu m'en as déjà parlé. C'est sur 64, ça, du coup. Et c'est un peu la suite, un peu améliorée de, entre guillemets, de GoldenEye, il me semble que tu m'avais dit. J'ai pas fait les Zelda. Je sais qu'ils sont énormes, il paraît. C'est le, Ocarina of Time. C'est vrai que Majora's Mask est cool. Oui, il paraît, mais je les ai pas fait. Je les ai pas fait. Ah, c'est un retour en arrière, en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu que j'ai bien aimé à 64? Bah, je t'ai dit, il y en a pas beaucoup. Superman, hein. Power Rangers Rescue, The Great Rescue. Et maintenant, vous voilà, bûcheron. Je l'ai pas fait ce jeu, mais j'adore la vidéo de JDG. Diddy Kong Racing, j'ai beaucoup joué aussi, mais franchement, ce jeu patine à crever. Et ben oui, mais c'est la nostalgie. Moi, on y jouait à 4 avec les potes, tu pouvais prendre l'avion, l'overboard, la voiture, c'était cool, quoi. C'était rigolo. Montre, moi, je suis Perfect Dark, c'est l'un des derniers jeux 64, et un rare en plus. Donc rare, un rare, quoi, enfin, par la film rare. Je suis en train de me dire. En plus donc bien optimisé. Mario Golf 64, faut encore qu'on se le fasse avec Olympic Games. Oui, tout à fait, j'ai offert Olympic Winter Olympic 2004 ou 98, je sais plus, 99, je sais plus. Enfin, j'ai offert un vieux jeu on me l'a offert ou je l'ai retrouvé dans une caisse chez ma mère, je sais plus. Bref, je l'ai offert à Balou. Un jeu de sport basé sur les jeux olympiques d'hiver sur la 64, voilà, je suis sûr que ce jeu est une perle. Je m'attendais à un vrai versus de Pokémon étant gamin. J'ai des souvenirs d'un jeton DK qui est sur la dernière banane. Je me demande si c'est pas dans ce stage. C'est possible. Qu'est-ce que tu veux dire un vrai versus les Pokémon Stadium étaient pas bien? J'ai pas joué à Pokémon Stadium.
Le principe de Pokémon Stadium, c'était pas de pouvoir faire des combats Pokémon, mais en 3D et tout sur la télé. Ou tu voulais une version de Pokémon sur console de salon, mais l'intérêt de Pokémon était quand même d'être une console portable. Tu pouvais l'emporter partout pour faire ta petite aventure. Tu choisissais l'attaque, ça le faisait et c'est tout. C'est Pokémon quoi. C'est-à-dire, je comprends pas. Qu'est-ce que... Enfin, je comprends pas. Pokémon, c'est-à-dire, tu es là et tu pouvais choisir entre différentes attaques. Hein, et puis, il y avait le combat. Enfin, je veux dire... Moi, je voulais un Street Fighter. Ah, d'accord. Tu voulais un jeu... Bah, ils ont pas fait ça sur Switch. Oui, maintenant, ils ont ça. Il y a un truc comme ça sur Switch. Alors, Balou qui dit, les Pokémon Stadium sont pas si mal, mais si tu as pas transféré tes propres Pokémon dans le Stadium, ben, t'es horriblement sous-level par rapport aux bots. Triste. Ah. Une dernière fois. Pas de soucis. Ah, tu le voulais sur le 64, mais bon, ouais, on n'a pas toujours ce qu'on veut, hein. Bim bam boudou. Ah. Déception. Au début du stage. Moralité, écoutez les indices. Par contre, Stadium, les mini-jeux sont bien, surtout parce que je suis une brute dessus, j'avoue. Stadium, c'est celui qui détruit le plus sa manette. Oh, et les manettes de 64. J'ai vu un mème où des extraterrestres retrouvaient ça sur le sol de la Terre et en déduisaient que l'espèce dominante sur la planète avait trois... Non, avait trois membres. Oui, oui. Avait trois mains, effectivement. Bon. Ouais. Ah. Bon, on va devoir vous laisser, hein. Passons et 19h07. Toujours un plaisir de discuter avec vous. Je resterai bien streamé, mais voilà, je dois aller bosser. Donc, je vous dis à demain, 17h, rendez-vous donc sur cette chaîne pour un tuto en compagnie de Baro sur Europa Universalis 4. Ça va être sympa. Porte-toi malade. Parce que c'est la même chose du installe-toi confortablement, tu vois. Ok. On dira rien et on n'a pas clippé. Alors, on va passer en reel. Tac. Et on va voir si on peut pas faire un petit raid chez un poteau, si éventuellement il y a un poteau qui est en train de stream actuellement. On a Hérétique qui stream Valheim, je ne connais pas. Je connais pas du tout. J'ai vite fait ce que c'est. On est sur du TPS, apparemment. Écoutez, vous allez découvrir ça, on dirait un peu... Il y a un côté Minecraft apparemment, ah, Valheim, tu connais ? J'ai regardé une heure de début, ça a l'air vraiment bien. Ah bah écoutez, j'ai hésité à te le proposer d'ailleurs. Ah bah je vous envoie chez Hérétique qui... Écoute, moi je connais pas du tout, je vais aller bosser, mais vous allez découvrir c'est ça. C'est une espèce de Minecraft univers viking, avec des missions à faire. Et tu peux faire des serveurs jusqu'à 10 personnes. Alors c'est Hérétique _, mais ils sont sciants les gens qui mettent _ dans leur pseudo, ça m'énerve. Voilà, je vous invite en arrivant chez Hérétique, chez un cher. Il est en pré-release pour le moment, le jeu. Ah, ok. 17 euros. Voilà, comme ça vous êtes. Je vous invite donc chez ce cher Hérétique, fan de Kaamelott, à lui dire en arrivant. J'apprécie, je sais pas s'il aura la rêve, les fruits au sirop. Ils font de belles choses. Voilà. Et lui copier-coller ça. Je lance le raid et je vous dis à demain 17h. Salut les gars, tchuss. Tu peux dire au revoir la caméra, c'est là. Au revoir la caméra, c'est là. Moi, je suis fasciné par l'écran.